quand même un peu beaucoup à la folie, passionnément, mais surtout pas beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être par manque d'amour, peut-être. Alors, comment avoir confiance en soi? C'est la question du jour et nous recevons pour y répondre Madame Cathy Chéry, qui est coach en développement personnel. Bonsoir. Bonsoir Lucino. Vous allez bien? Bonsoir. Je vais très bien. Alors qu'est-ce que la confiance? Ben, vous l'avez dit, l'amour de soi, l'estime de soi, ça découle de source de l'amour. Ah. La confiance en soi. C'est croire en soi, en son potentiel, en ses talents. Justement. Vous avez des gens là qui ont confiance en eux, vous le sentez? Vous ouais. le sentez? Ah oui, ils maîtrisent leur art. Waouh. Mais ils maîtrisent plus que leur art. Ils sont dans leur cœur, ils sont dans leur art. Et ils le vivent pleinement. Et dites-moi, ça se sent. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont confiance en eux et d'autres pas? Je dirais l'histoire personnelle, les croyances, les peurs qui ont été véhiculées depuis leur tendre enfance. Tout commence par l'enfance alors, oui, c'est donc vrai. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est donc vrai. Bien sûr, même avant peut-être. Et qu'est-ce que l'excès de confiance hein, c'est quoi l'excès de confiance? Est-ce qu'on peut psychologiquement le rapprocher du narcissisme ou de l'égocentrisme? L'excès et de confiance, quid du dictateur? Ça va donner du jugement, ça va donner de la critique, ça va donner toutes sortes de choses contre l'autre, mais principalement contre soi. Je ne suis pas assez, je suis trop, je suis différent, je suis plus, je suis moins. Et puis ça va donner des peurs d'oser, des peurs d'échouer, des peurs de réussir aussi, des peurs de s'affirmer, on va être renfermé, on va pas oser. Puis le tyran, lui, va mettre sous intimidation, il va mettre sous emprise, mais il a pas plus confiance en lui, il est dans la lutte. Son crocodile, comme dirait Madame Catherine Périssol, est à l'action. Donc les gens méchants sont les gens qui manquent de confiance en eux. Sango, comment est-ce qu'on peut expliquer si on a une extrême confiance en soi, par exemple au travail, mais qu'on n'a pas du tout confiance en soi en amour? Comment est-ce qu'on peut être... voilà. À mon avis, il n'y a pas de confiance quelque part et pas confiance ailleurs. On peut, non, c'est soit on a confiance en tout, soit en rien, c'est ça? Soit on a confiance en soi et en la vie, soit on n'a pas confiance en soi et en la vie. Si au travail il se passe des choses et à la maison il se passe des choses, il faut aller regarder d'un petit peu plus près. Morgane, venez me rencontrer. Est-ce que la confiance en soi est aussi liée au regard des autres? Bien sûr, l'estime de soi. Oui. Sauf que si j'ai mon repère, on parle de repère, si j'ai mon repère à l'intérieur, dans mon cœur, le regard des autres ne va plus exactement, m'attendre. À la base, il faut que ça soit de soi et pas forcément les que ça vienne des autres. Les choses viennent de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Mais bon, ça peut aider de recevoir des compliments extérieurs pour avoir confiance en soi. Ça peut aider, plutôt que de se faire casser. C'est génial de recevoir des compliments. Vous avez une magnifique coiffure, magnifique t-shirt avec des jolis ongles, une magnifique femme. Justement, c'est la question. Moi, je t'ai oublié, Lucino. Non, moi, je suis pas une femme. Merci beaucoup. Pourquoi dit-on que... Est-ce que c'est une croyance populaire de dire que les belles femmes ont confiance en elles, mais qu'elles manquent, qu'elles peuvent manquer de profondeur? Waouh, là, j'aime pas trop. Justement. Ça peut être que des hommes, je vais pas dire hommes qui peuvent penser ce genre de choses. Je suis d'accord. Ou alors des femmes qui, comme dirait Jung, ont un animus fort, c'est-à-dire un côté masculin très développé. Donc expliquez-nous cette croyance populaire. Je ne sais pas. C'est des gens qui sont mal dans leur peau, qui vont aller comparer. On revient encore dans je suis plus, je suis moins, elle est mieux, je ne suis pas plus. Oh, regarde là, il y avait que du jugement et de la critique. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui ne sont pas dans le cœur et qui n'ont pas confiance en eux, qui vont aller voir chez l'autre le petit point qui va faire que, mais c'est mon miroir qui est là. Mm-hmm. Donc, c'est bien cela. Cette beauté reflète le miroir de la misère de notre existence. Pour commencer à avoir confiance en soi, est-ce qu'il faut d'abord connaître ses potentialités? Il faut faire un bilan, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Merci encore, Cathy Chéry.